C'était le dernier. Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer, et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Il y a un meurtrier en liberté. C'est de mauvais augure. Je veux savoir où est celui qui a fait ça. Qui est responsable de ça? Que s'est-il passé ici? Tu as fini de te plaindre? Tu n'es bon qu'à ça? Maudit vieillard! Un peu d'argent. Je vous en prie, mes sires, juste quelques pièces, pitié. Je vous en prie, mes sires, juste quelques pièces, pitié. Tu as appris pour Alain? L'archer qui... Garde l'aile est. Son frère, le pauvre diable, a reçu une flèche dans la gorge. Je doute qu'il passe la nuit. Il parvient quand même à rester à son poste? Il lui rend souvent visite, alors je le remplace quand je le peux. Pas en ce moment. Non, j'ai des choses à régler. Des affaires de famille. Alors espérons que le médecin n'apprenne pas sa désertion. Il n'en saura rien, à moins que tu me le dises. Ne t'en fais pas, votre secret sera bien gardé. Thank you.
un peu d'argent. Regarde-moi ça. Il y a quelque chose d'urgent à faire. J'ai besoin d'argent, mon brave. Je suis malade et je crève de faim. Quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Recommence jamais ça, compris ? Vous ne comprenez pas, mais je suis pauvre, j'ai besoin d'argent. Il comprend vite, il va blesser quelqu'un. Allez, je vous en prie. On dirait qu'il est poursuivi par quelqu'un. Écoutez attentivement. Garnier de la Pelouse est un homme bon. Il est là pour vous aider. Il a fait la promesse de se mettre au service des autres. Et il la tiendra! Garnier entend vos pleurs et vos plaintes. Vous dites qu'il se moque de votre souffrance. Ce n'est ni juste, ni vrai. C'est un homme de grand talent. Au service de tous, mais ce n'est qu'un homme. Nul n'est aussi expert que le bon chirurgien qui administre les hospitaliers. Garnier de la Pelouse n'a pas... chirurgien qui administre les hospitaliers. Garnier de la Pelouse n'a pas d'égal. Regarde devant toi. Attention, imbécile. Il va finir par n'a pas assez de faire le ne monte pas sur moi pour l'aider. Vous dites qu'il se moque de votre souffrance. Ce n'est ni juste, ni vrai. Pour quelle raison est-ce qu'il a fait ça?
T'as rien à faire ici. Va-t'en. Je vais t'apprendre, moi. Laissez-moi partir, je n'ai rien fait de mal. Que je m'affile. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher. Pour qui prends-tu? Je vais te faire. Va-t'en, paysan. Votre train. Regardez. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Recommence, pousse-le. Ben, il est plutôt pressé, celui-là. Va-t'en, paysan, ou je te botte le train. Vous ne comprenez pas, je suis mort. J'ai besoin d'argent. Mal, quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Je n'avais jamais vu personne faire ça auparavant. Prends ça. Arrière, je ne te laisserai pas passer.
Sirène. Sors de ton trou. On s'amuse en les deux. Mais qu'est-ce qu'il a à courir? Tu n'es pas un moine. Oh, ton dieu t'a abandonné. Regarde-moi ça. Tu n'en prends plus gaffe, plus de son âge. Ne me fais pas mal. Regarde-moi ça. Tu n'as rien à faire ici. Fiche le corps. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce qu'il a fait ça? Eh ben, qu'est-ce qu'il lui prend? Allez, écartez-vous! Ici! Il est ici! Le voilà, le voilà! Arrêtez-le! Je vois! Il est là. Tu m'échapperas pas. Rien à faire ici. Attends. T'as rien à faire ici. Va-t'en immédiatement. Ici, va-t'en. N'avance plus. Je ne comprends pas du tout ce qu'il essaie de faire. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Est-ce que personne ne m'aidera? Est-ce que personne ne m'aidera? Sale voleur, je vais t'apprendre. Vous trouvez que ce sont des manières? Si ça fait mal, je ne l'aiderai pas. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Par pitié, dites-moi au moins ce que j'ai fait de mal. Quitte les lieux. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher. Par pitié, dites-moi au moins ce que j'ai fait de mal. J'aurai ta peau. Pourquoi fais-tu ça?
Qu'est-ce qui lui prend? T'as rien à faire ici! Va-t'en immédiatement! Sale voleur! Je vais t'apprendre, moi! Il n'a pas le droit d'être ici! Va-t'en! Je vous en prie! Faites quelque chose! Sale voleur! Je vais t'apprendre, moi! Sale voleur! Je vais t'apprendre, moi! Laissez-moi partir, je vous en prie! Sale voleur! Je te ferai trancher la main! Ne reniez pas vos convictions! Restez fort! La route sera longue et les épreuves nombreuses! Mais sachez que Dieu veille sur vous. C'est sa main qui guidera nos soldats jusqu'à la victoire. D'abord à Saint-Jean-d'Acre, et bientôt à Jaffa. Oh, mon brave, je suis malade et je crève de faim. Mais qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Nous les avons chassés de Saint-Jean-d'Acre et de la campagne environnante. Maintenant, ils battent en retraite vers le sud, en suppliant Saladin de les sauver. Mais il n'y arrivera pas, car personne ne peut résister à la puissance armée. Que cette terre nous revienne, car elle a toujours été sa destinée. Repentez-vous, prosternez-vous devant lui et confessez vos péchés. Il vous pardonnera, telle est sa nature. À nous de demander son pardon. La victoire ne sera assurée que lorsque nos cœurs et nos esprits seront purifiés. Hein? Il va finir par se blesser, et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. C'est bizarre. Qu'est-ce qui lui prend? Ah, Altaïr. Je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mu'alli m'a ordonné l'exécution de Garnier de Naplouse. Alors me voilà. Que peux-tu me dire à son sujet? Il est le grand maître des chevaliers hospitaliers, et il a dû s'établir dans leur quartier. Je n'en sais pas beaucoup plus sur lui. Va te promener dans la cité, et essaie d'interroger les habitants. Dis-moi où les membres se retrouvent, et je me débrouillerai. Commence par les jardins publics, ou du moins ce qu'il en reste,
ils sont situés au nord. Le marché abandonné au nord-ouest mérite également ton attention. Sans oublier l'église Marie-Joseph à l'ouest, qui elle aussi est très fréquentée. Ces trois lieux devraient suffire à te mettre sur la voie. Merci pour ces informations, Rafik. J'en ferai bon usage. Ça, je n'en doute pas.